Bonjour à tous, c'est Mélo Kimiko, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un deuxième épisode, tout savoir sur... Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager, à commenter. Et sur ce, je te souhaite une très bonne vidéo. Dans ce deuxième épisode, je vais vous présenter Zach Sky. Zach Sky a été beaucoup demandé dans mes commentaires lors de mon premier épisode. Et bien aujourd'hui, je vais le faire. Tout d'abord, Zach fait partie des personnages principaux de Movistar Planet. Il est le premier personnage principal masculin. À chaque inscription masculin, les joueurs auront Zach comme guide de Movistar Planet. Entre autres, il est l'équivalent masculin de Pixie Star. Comme Pixie Star, Zach est obligé d'être accepté par les joueurs masculins et ne peut pas être supprimé de la liste d'amis. Il y a beaucoup de personnes dans le MSP masculin qui aimeraient supprimer Zach et le virer. Tout pareil que Pixie, mais n'oublions pas que Zach est un robot et que c'est le guide. Quelque chose que je n'avais pas précisé, Pixie Star et Zach sont représentés sur l'application Movistar Planet Mobile. Il est d'ailleurs l'icône de diverses graphiques d'actualité. Il est très souvent sur beaucoup de panneaux d'actualité sur Movistar Planet. Il a été également représenté sur le calendrier de Noël 2015. Zach aussi apparaît lors des événements de fin d'année. Pack d'été 2016, Zach apparaît également dans la publicité MSP et a été diffusée en 2016. Il fait l'icône de toutes les publicités Movistar Planet. Il est bien sûr accompagné de Pixie Star. Comme Pixie Star, à savoir Zach Sky remplacerait le personnage appelé Extra Sam. Zach Sky est apparu pour la première fois sur le serveur IE pour les tests et a été diffusé sur le serveur américain le 10 mars 2015. Bien sûr, les joueurs ne peuvent pas créer un pseudo à la fois avec Zach et Sky. Les joueurs ne peuvent malheureusement pas lui envoyer de messages ou autres. Ils peuvent aller voir ses photos, ses artbooks et ses looks. À ne pas oublier, Zach Sky reste avant tout un robot. À noter, les yeux de Zach Sky sont uniques. Comme je vous avais dit, chaque personnage a quelque chose d'unique. Eh bien, Zach, ce sont ses yeux. Bien sûr, ses yeux ne peuvent pas être achetés par les autres joueurs. Je vous présenterai un autre personnage, mais il a le même nom de famille que Starla Sky. Cependant, on ignore s'ils sont liés. Je vous la présenterai dans un prochain épisode. Aussi, Zach Sky a un bounty appelé Oli. Et bien sûr, à ne pas oublier, ses meilleurs amis sont Oli Nova et Pixie Star. Et bien voilà, le deuxième épisode est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis au prochain épisode ou à la prochaine vidéo.